Christ. Okay. Ça, on va dire mon bon. كانوا في الجزائر كان عندي جروب صغير تما كانوا اسمه الداي جروب الداي فيستا داي دوكا اسمه الداي وكان عندنا كنت نلعب جيتار ما بغيتش نغني بزاف كنت اكومبانيومون جيتار اكومبانيومون وكان عندنا كنا دو جيتار وبيركوسيون ومن بعد كي مشيت لكندا خدمت في المترو بوندون دي زاني تو سا في الشارع في المترو بارتو ومن بعد جيت لهنا لتونس جي كومونسي جي في ان بروميير البوم فوالا لابور مع تونس سي تري سبيسيال سي فري سي با دايور سي افيك امير لا بروميير فوا دونك امير قديش دو لاسوسياسيون دو تياتر دو سينما دو كيف جوست بعد الثوره يما كري ميساج جيتي او كيبيك قال لي فوالا قال لي اون ا با دارجون بور بايي تو الجروب قال لي مون امري ترو تافوار ايسي اسكو تو بوري مونتي ان جروب ايسي تو سا قلت له وي افيك بليزير. Donc ça a démarré comme ça, donc il y a une histoire forte parce que déjà c'était juste après la révolution. Et puis en fait, on accrochait les affiches ensemble, on allait les imprimer, on allait... Et donc par la force des choses, donc, on a vraiment noué d'amitié, j'ai noué d'amitié avec la Tunisie. يا تونس يا حبيبتي فيك اهلي وفيك خاوتي تمنيت نرجع ليك وعمري وما نزيد نخطيك يطلع عليك النور نعيشو فينا وسرور يا مو العيان يا زينة البلدان. كي بديت لي بارول ديالي مع الاول كنت نهضر بزاف على الجزائر باسكو جافي فيكيو اوسي جوسكا مي 18 ans là-bas on a vécu la décennie noire et tout ça. Ben, petit à petit, en fait, tu comprends que c'est plus la même réalité. Je ne sais pas si tu es alors que tu es partout dans le monde. Qui me dit, ma base, c'est le flamenco. Le mot est le flamenco et tout ça. Ben, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a quand même deux racines qui ressortent vraiment. C'est la racine des gens du voyage et la racine africaine. Donc, c'est ça ce qui m'intéressait beaucoup. Donc, de voir par exemple la racine africaine qui fait. Qui l'a fait l'Afrique du Nord, ça a donné le Gnawa et tout ça. Qui le Brésil, ça a donné la samba, la capoeira. La Colombie, ça a donné d'autres styles aussi, la cumbia, le champeta et tout ça. Et le côté flamenco, finalement, c'est le monde arabo-andalou aussi. Et le côté zigane, le côté. Donc voilà, c'est un mélange de ça. J'ai écouté beaucoup de reggae aussi. Donc c'est vraiment, j'ai essayé de mélanger à ma manière. Et voilà, c'est sans prétention. Hein. L'album qui vient de sortir, ça fait 4 mois, c'est Yimma. Donc je l'ai dédié à ma maman. Où ça faisait longtemps qu'elle voulait une chanson, mais ça ne se commande pas. Donc elle est très contente. Et puis had, l'album, il est imprégné beaucoup aussi, parce que est Colombia, est Colombia à Monos, ultimement. Donc je l'ai fait bin France, Colombia ou le Québec. Donc les cuivres, dit Hamilton, les percussions, tout ça. France, j'ai mis les basses batteries et tout. Au fil Québec, j'ai mis des cordes aussi et tout ça. Ce que je disais à mes potes aussi, c'est que des fois, on a tous, les Maghrébins, on a tous la même destination. C'est soit France, Espagne, Belgique, l'Allemagne, Canada. En Amchit, l'Ouganda, il y a une super belle vie là-bas. Donc des fois, au lieu de partir vers l'Europe, on peut trouver du travail aussi ailleurs. Il y a des gens magnifiques, le paysage. Donc c'est ça mon message, c'est de dire... Oui, si tu pars quelque part et que tu t'accroches et que tu réussis, c'est bien. Mais machin, il y a un peu de temps. Donc avant, voilà, c'est plutôt ça. C'est de dire d'arrêter de... Parce qu'on nous a formaté d'une certaine manière. Oui, c'est toujours l'Occident, les meilleurs et machin. Et on suit un peu ce qu'ils font.
Alors que Ard Rabbi Wasa'a, j'ai vécu en Colombie un mois, c'était extraordinaire. Et c'est très simple, ils sont comme nous, ils sont hyper généreux, sympas et tout. Donc de dire, arrêtez le stéréotype d'aller toujours aux mêmes endroits. Quoi. Les êtres humains, finalement, on a les mêmes buts. On veut tous s'accomplir, on veut tous se réaliser. On aime bien qu'on soit après nous, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien Timbuktu ou Tunis ou Colombie, c'est la même chose. Donc c'est plutôt ça mon message.